Bonjour à tous, vous êtes sur Super Hero et Compagnie, on a fait du gaming également sur Super Hero et Compagnie pour un événement, la sortie de Super Mario 3D World et Bowser's Fury sur Nintendo Switch. Et généralement, lors d'un événement aussi important, eh bien, je présente toujours la première vidéo sur cette chaîne et les autres vidéos de gaming seront naturellement sur Hero Game Company, ma chaîne de gaming. Donc là, on choisit le personnage, on a le choix entre Mario, Luigi, Peach, Todd, eh bien moi, ça fait longtemps que j'ai pu jouer avec Luigi. Luigi's Mansion me manque, donc mon perso sera Luigi. Et vous l'avez peut-être vu, on peut jouer sur le même écran jusqu'à 4 personnes en même temps en collaboratif. Donc ça, c'est cool. Pour l'instant, je suis seul. Mais il n'est pas exclu que pour les prochaines vidéos de gameplay sur Hero Game Company, je sois accompagné à de super lunettes. Je pense qu'on se fera une ou deux vidéos ensemble. Voici la séquence d'intro, un jeu qui vraiment est attendu depuis vraiment un petit moment de la part de toute la communauté et de tous les fans de Mario. Et bien entendu, on se fera tout le jeu au travers de vidéos de gameplay, je vous l'ai dit, sur l'autre chaîne. Alors, là, nous avons quoi? Une petite fée? Une princesse? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Bowser les a toutes capturées et mis dans des flacons. Waouh, il est là. Furieux comme d'habitude. Ok. Et on est ensemble les amis pendant une petite demi-heure, histoire de se faire la main sur les premières minutes de gameplay de ce jeu qui s'annonce. Mais alors, qui s'annonce vraiment, vraiment juste au top. Jeu qui était sorti, je vous rappelle, sur Nintendo Wii U. Yes. Et nous, voici, les amis. On est parti. Ça, c'est tout le monde. Ok. Première seconde de jeu. J'ai trop content, c'est excellent. Et là, on est en fait sur la carte. C'est la carte des mondes. Et on est parti pour le monde 1.1, la colline aux super clochettes. Let's go! Comme dirait Mario. Ah, il est beau, hein. Il est beau, hein. Et il saute très très haut, hallucinant, on a l'impression qu'il marche sur la lune et qu'il n'y a pas d'apesanteur. Ça, c'est parce que chaque personnage a ses caractéristiques qui lui sont propres. Mario, Peach, Todd ou Luigi ont chacun des pouvoirs en guillemets spéciaux et la capacité de Luigi, vous voyez, est de sauter très très haut. Ouais, je suis trop content. Après Luigi's Mansion, après récemment Paper Mario, eh bien, on retrouve un nouveau titre phare de la série des Mario. C'est quoi cette main là, là? J'ai vu que ça dessinait des fleurs, c'est rigolo. Bon, alors pour l'instant, je peux pas faire grand chose à part sauter, j'ai l'impression. Ah, un Goomba, tiens, tiens. Le Goomba que voilà. Ah, mais même la pancarte avec la flèche, ça me rappelle trop Lego Super Mario, c'est excellent. Ah oui, mais c'est ce qu'on attendait tous. Mario, pas Mario, Luigi chat, trop fort. Ah il est trop beau. Faut juste que j'apprenne à le maîtriser un peu plus. Alors vous le voyez, on peut rentrer dans les tuyaux. Certains tuyaux nous aspirent carrément même. Ok, on a une cloche supplémentaire qu'on pourra utiliser si jamais on se fait toucher. On a une cloche supplémentaire pour pouvoir justement nous retransformer en chat. Et là, on donne des coups de griffe et normalement, on peut grimper au mur également. Ah oui! Excellent! Oh, c'est trop fort. J'adore.
Ça, c'est vraiment trop bien. Et vous le voyez, il y a plusieurs chemins à chaque fois. Hein. Vu que c'est un monde en 3D, eh bien, il y a plusieurs manières, plusieurs passages. Mais moi, je reviens toujours en arrière pour bien fouiller. Et là, vous le voyez, ça valait le coup, il y avait des caisses. Et là, nous avons une grande étoile. Ça me fait trop rire. Il est trop bien comme ça. Ce qui fait d'ailleurs penser qu'il y a, je vous le rappelle, il y a des amiibo qui sont sortis à cette occasion-là. Un pack de deux amiibo, l'amiibo Mario Chat et l'amiibo Peach Chat. Et d'ores et déjà, je les ai commandés et je vous les montrerai dès que le pack arrive. Qui, à mon avis, va très rapidement tomber en rupture de stock. Ah, c'est trop bien fait ça. Paf! Alors elle sera quoi elle? Ah ok, c'est juste pour regarder en fait. D'accord, pour voir où est-ce qu'on doit aller je pense. Allez, checkpoint. J'adore les pissenlits qui volent partout. Je peux monter aux arbres aussi. Ah ah ah, il y a une cloche là, attends. C'est pas forcément très très facile et précis hein, le contrôle de ce Luigi. Je pense qu'il faut que je prenne un peu de temps pour m'habituer. Et je pense que c'est la spécificité de Luigi, étant donné qu'il saute très très haut. Et je vous l'ai dit, on a comme l'impression qu'il ne pèse rien et qu'il est presque en apesanteur, comme sur la lune. Cool. Ou alors sur la glace. Donc on a un peu d'inertie. Et il faut en tenir compte. Ah, attendez, on a un chat attrapé. Oh, ah oui, j'ai complètement oublié un truc en fait, les amis. Les niveaux s'effectuent dans un temps limité, donc il faut pas trop traîner. Oh, oh oui. Ah ouais, mais ça c'est classe, j'ai vu ça dans la bande-annonce. On peut se transformer en personnage géant. Regardez ça, on est gigamaxé. C'est pas cool. Et là, tiens, justement, je vais aller chercher la grosse cloche là. J'avais pas réussi à la prendre. Oh, 3D oblige, on a du mal à viser. Ah mince. Zut, trop tard. Bon. Tant pis. Pas grave. C'est quoi? C'est un Goomba chat ça? C'est des Goomba chats. Aïe. Oulala, je suis tout petit. Ouais, là, je peux pas grimper au mur. Mais attendez, j'ai une cloche en réserve. Mais comment je fais pour l'utiliser, la cloche, là? J'ai pas encore trouvé la touche. Aïe, attention. Et j'ai raté, zut. Faut pas traîner, là, quand même, hein. Voilà, bon, on n'est pas allé au bout. Mais c'est pas grave. Nous avons terminé le monde 1.1. Stage terminé. Eh bien, ça promet. Franchement, je suis vraiment très, très agréablement surpris, les amis. La prise en main est quand même très, très bonne. Allez, on continue. On s'en fait encore un ou deux. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez que sur la carte, eh bien, on peut un peu sortir les rails et récolter les petits bonus qui sont disséminés à droite et à gauche. Donc, monde 1.2, la caverne Koopa. Let's go! Let's go! Alors, est-ce qu'on peut lui piquer les carapaces comme dans Mario, le Mario classique? Faut juste que je le vise correctement. Oh là là! Ça, c'est... juste un peu problématique. Ah ouais, on y arrive. Ah ouais, c'est cool. Ça, c'est top.
ZL pour entrer dans le tuyau. Ok. Et en fait, quand vous êtes dans les tuyaux, vous pouvez diriger Luigi. Donc si vous voulez descendre, vous appuyez vers le bas. Et vous dirigez donc vers le bas. Yes. Voir qu'il y avait une cachette secrète que j'ai oublié de faire. Il va falloir que je repasse à l'occasion voir ce qu'il y a dedans, dans ce petit trou dans le mur. Bim ! Coup de canon. Pouf ! Ah, là, attention. Attention les petits nuages. Attends, je veux l'étoile. Ok, ça c'est bon. Et j'aimerais bien le supplément de temps. Ah, j'arrive pas à monter. Ça va pas le faire. Ah, mais attendez. Si ça se trouve. Ah, bah ouais, cool. Comme quoi, vous avez vu, il y a toujours plusieurs manières différentes d'atteindre le même but. Le même endroit. Checkpoint. Oh, là, on a un cube étrange en haut, là. Ah, j'aurais pas dû faire ça avec la carapace. C'est dangereux, ça. Eh ben, voilà. Voilà. Alors, c'est quoi, ça? Oh, niveau bonus. D'accord, j'ai 10 secondes pour péter les deux tortues. J'arrive pas à viser. Ah, c'est pas possible. Première défaite du jeu. Ça, c'est dommage. Allez. On va se la retenter. Et comme vous venez de le voir, n'importe quel joueur supplémentaire peut se joindre à n'importe quel moment de la partie, tout simplement en appuyant sur L et R de sa manette. Donc ça, c'est... Je trouve que c'est vraiment cool de partager la partie à plusieurs. Allez, champignons. Allez, on se le retente. Voilà qui est bien mieux. Étoile. Petit coup d'œil sur le timer, pour l'instant ça va, j'ai encore un peu de temps. Aïe aïe aïe, je me suis encore fait avoir avec ces carapaces, c'est pas possible. Donc explorez bien tous les petits tuyaux parce que vous pouvez, si ça se trouve, déboucher sur une cachette secrète. Bon là j'ai pas envie de les affronter là vu que j'ai vraiment pas de protection. Allez. Ah bah c'est déjà la fin du niveau, tiens. Mince, j'aurais voulu aller plus haut. Bon, bah deuxième stage terminé, c'est cool. Alors, qu'est-ce que vous en dites jusqu'à présent, les amis?
Lâchez-vous dans les commentaires et donnez-moi vos impressions sur ce nouveau Super Mario 3D World Bowser's Fury qui est sorti, eh bien, hier, vendredi 12 février. Allez, stage suivant. Qu'est-ce que nous avons là maintenant? Le barrage de Bulldozer. Ah, jeu de mots. Bulldozers, Bulldozer. Ok, deux gros joueurs de football américain qu'il faut... Ah, mais qu'est-ce que je fais? Je suis pas attentif. N'importe quoi. C'est un peu le côté 3D également qui est un peu galère, parce que... Faut vraiment bien se mettre au bon endroit et viser, ce qui est pas forcément toujours très facile. Voilà, quelqu'un qui est enlevé. Ouf. Encore un. Voilà. Facile, finalement. Ah, c'était un stage, ça. C'était un mini-stage, alors. Alors, voyons voir. Donc, soit on peut continuer sur la droite, mais j'ai un truc qui m'intrigue, c'est la maison de Todd derrière, là. On va aller voir ce qui s'y trouve. Ah, bonus, bienvenue dans la maison de Todd. Frappez un des deux cadeaux au choix, son contenu pourrait vous être utile. Alors, petit cadeau ou gros cadeau? Ah, j'ai tenté le gros, forcément. Ah oui, bon, fleur de feu, deux champignons et une cloche. Excellent. Je crois que c'est comme ça que je le préfère, dans sa tenue chat. Il est juste... Ah, ok. Et bien entendu, hein, tous les stages que vous avez déjà faits, vous pouvez bien sûr les refaire pour... rechercher des choses que vous avez oubliées ou simplement améliorer votre score. Allez, monde 1.3 maintenant. Le monde qu'il est raide. Ah, ces jeux de mots me font tellement rire. Et c'est vrai qu'il est, très très raide ce mot. Trop fort. C'est le dernier stage qu'on va faire dans cette vidéo de découverte. Vous le voyez hein, pour l'instant, Super Mario 3D World Bowser's Fury tient largement ses promesses. Il est magnifique. J'espère que vous aussi... Il vous plaît et ça vous donnera envie de l'essayer, d'y jouer. Donc il faut qu'on monte tout en haut hein, de ce mont qui est raide. On va essayer. Normalement, avec la tenue chat, ça ne devrait pas trop poser de problème. Allez, coup de griffe. Paf. Ah, les piranhas, les plantes piranhas, c'est cool ça. Petite clochette en bonus. Ah, j'adore. Je crois même que c'est ce que je préfère. C'est de grimper au mur comme ça en tenue chat. C'est excellent. Ah, encore un bonus. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire là? Un niveau bonus, pardon. Récolter des pièces dans un temps imparti. Ok, c'est facile. Là aussi. Hop, je cours un peu. Hop. Ah, là, faut grimper au mur. Vite, 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 vite. Allez, monte. Allez. Mince, 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 mince. Trop tard. Ah, dommage. J'aurai pas le gros bonus de ce niveau. C'est pas grave. On se le retentera une autre fois. Ça me fait trop délirer. Par contre, j'ai l'impression que je fais un peu n'importe quoi là. Je vais aller trop vite. Et je m'applique pas trop. Coup de griffe. Yes, c'est bon ça. Mince. Attention.
Ah! Pourquoi j'arrive pas à monter? Vous avez vu? Il peut pas rester accroché indéfiniment en fait sur les murs et dès qu'il perd sa puissance, il devient un peu faible. Il glisse en laissant des traces de griffes, c'est trop fort. Ok, c'est quoi ça? Tiens, j'ai monté par là. Clac, 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 et... manifestement, c'est trop haut. On n'y arrive pas. Faut trouver un autre moyen pour monter. Peut-être par là. Mince, j'y arrive pas. Allez, comment je fais? Trop haut. C'est pas grave, je verrai une prochaine fois. Le but ici c'est... Ah non! J'ai sauté à côté. Mais n'importe quoi. Et là, il va falloir que je recommence. Le monk il est raide. C'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai! J'avais complètement oublié qu'il y avait un mode photo. Va falloir que je me penche un peu sur le problème, mais visiblement, il est super puissant pour faire plein de choses. Mettre des filtres, ajouter des petits stickers, des tampons, l'affiche, le logo du jeu. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Pour libérer la cloche que j'avais en réserve. Allez, fais un effort en même temps. Il a glissé sur les fesses, excellent. Pourquoi j'arrive pas à monter? Ah! J'avais pas vu la première fois ça. On a une brique cachée là. Oh oui! Merci bien, ça fait plaisir. On va quand même essayer de le finir ce monkey est raide, non? Allez, grimpe, grimpe, grimpe. Hop! Non, 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 non. Alors, pour l'instant, je suis accroché. Vas-y, reviens, reviens. Oh, c'est pas vrai. C'est pas possible, les amis. Là, c'est de l'étourderie parce que je veux vraiment aller trop, trop vite. Alors, on recommence et forcément, à chaque fois que vous recommencez, bah, vous perdez le bénéfice de toutes les pièces que vous avez ramassées. Vous voyez, mon score, malheureusement, il est... mes points sont à zéro de nouveau. Non, mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Plus que 3 vies. Oh là là, attention quand même. Et donc à chaque fois, il faut récolter de nouveau les points que vous avez ramassés. Ah, le mode photo est cool. Ça vous permet de faire des... Vous avez vu, j'ai incrusté le logo Super Mario 3D World. Je vais peut-être l'utiliser pour faire la miniature du jeu, ou en tout cas des prochaines vidéos. On a des filtres, on a quoi d'autre? On peut changer l'angle de vue, faire pivoter la caméra. Vraiment pour adapter... Ouais, carrément faire le monde à l'envers. Oh, c'est vraiment bien fait. Oula. Là, je fais vraiment n'importe quoi, là. Voilà, c'est à peu près droit. Bref, vous rajoutez les éléments que vous voulez, et après, bah, une fois que vous êtes satisfait... Il vous suffira simplement d'appuyer sur le bouton de capture pour prendre une photo. Là, vous voyez, j'ai rajouté un petit sticker, un petit tampon, une espèce de nuage. Bon,
Allez, ici c'est pas terrible comme spot pour faire une photo. On va continuer, on a encore le mont Killyred à gravir, donc je coupe un peu et on se retrouve tout en haut du mont Killyred. Voilà, je pense que l'arrivée se trouve... Ouais, l'arrivée est juste là-bas. Tiens, ça serait un bon endroit pour faire une photo là, non? Ouais, comme ça, il est bien Luigi. Alors, on va adapter un peu l'angle de prise de vue. Rajouter le logo. Celui-ci, je l'aime bien. Pivoter la caméra, comme ça, c'est plutôt pas trop mal. On peut zoomer également un peu. Voilà. Comme ça. Voilà. Hop. Capture effectuée. Il ne restera plus qu'à la récupérer sur la carte mémoire de la console. Allez, on finit. Il fait l'acrobate. Attention à ne pas tomber. Ça serait dommage. J'adore quand il descend comme ça. Essayer de monter tout en haut du drapeau pour se choper le maximum de points. Alors, je prends mon élan, je cours, et je passe à côté. Oh mince. Non, c'est trop court ça. Allez, on tente. On y va. Et c'est encore à côté, mais c'est pas possible. La troisième, c'est la bonne. Oui, 10 000 points. Vous avez vu, il a un peu grimpé le mât du drapeau. Stage terminé. Mais le monde 1 n'est pas encore fini. Il se termine d'ailleurs avec un boss et la libération d'une première fée. Et ça, eh bien, on le découvrira prochainement. Là, c'était simplement une petite prise en main rapide, là, les 30 premières minutes de jeu, pour se faire une impression de ce... Super Mario 3D World qui, eh bien, je peux vous dire, j'adore. Il est excellent. Là, on nous dit qu'on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, soit en local, soit par internet. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Donc soit vous pouvez jouer à 4 sur la même console, ou alors chacun sur sa console, en local ou en par internet à distance. Voilà, bah, j'espère que cette petite... prise en main rapide de Super Mario 3D World Bowser's Fury vous a plu. Vous n'oubliez pas les pouces bleus, les commentaires et surtout les prochaines vidéos, la suite du jeu, ça va se faire sur ma chaîne de gaming dédiée aux jeux vidéo, Hero Game Company. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, allez-y, n'hésitez pas à le faire et d'activer la petite cloche. La suite, c'est là-bas que ça va se passer. Merci beaucoup de m'avoir suivi, j'espère réellement que ça vous a plu. Je vous dis à très très bientôt sur Super Hero et Company et Hero Game Company. Portez-vous bien. Et à très très vite! Bye bye les gars! Ciao! Miaou miaou!